Amon est le père de Josias. Josias est le père de Yéconia et ses frères. À ce moment-là, on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Après cela, Yéconia est le père de Shéaltiel. Shéaltiel est le père de Zorobabel. Zorobabel est le père d'Abiou. Abiou est le père d'Éliakim. Éliakim est le père d'Azor. Azor est le père de Sadoc. Sadoc est le père d'Akim. Akim est le père d'Élioud. Élioud est le père d'Élazar. Élazar est le père de Matan. Matan est le père de Jacob. Jacob est le père de Joseph. Joseph a pris Marie pour femme, et Marie est la mère de Jésus, qu'on appelle Christ. Voici le total. Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à ce qu'on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Ensuite, il y a encore 14 générations jusqu'au Christ. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais, avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit-Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde. Alors, il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit: Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé comme le Seigneur l'avait dit par la bouche de son prophète. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Pas me réjouir la veille.
L'aime gain problème, moi rêve Jésus.
revêtir de l'armure de Dieu, afin de tenir ferme contre l'adversaire et tenir bon dans les mauvais jours, pour être trouvé en toi lorsque tu reviendras.